J'ai une question à poser. Oui. Quand tu chantes, c'est la banane. C'est de quel artiste? Oh, merde. Alors, tu me poses une colle monumentale. Quand je m'amuse à chanter, c'est la banane, que ce soit dans Worms ou je sais pas quel moment, comme le mini golf. Quel est l'artiste qui a chanté la banane? Alors, pas à confondre la banane split de Lio, ça n'a rien à voir. Bien que ce soit le même mot-clé. Est-ce que ça a un rapport avec Joséphine Baker ou pas? C'est pas impossible. C'est vrai qu'elle s'était rendue célèbre pour pas mal de tenues, dont le fait qu'elle avait un semblant de jupe en doigt de banane. Ouais. Oh là, il y a plein de monde. Et bah oui, non, bah je vais filmer le. Bah, t'as les écriteaux, donc. Mais c'est bien, là, pour le coup, j'arrive à filmer la cime des arbres. Attends, je réfléchis. T'es sûr? Ouais, par là. Tu crois que c'est par là-bas? Oui, ça rallonge. Bon, bah, je te suis. Bien. Du coup, la caméra, elle veut continuer là-bas en soulignant les arbres. Hop là. Oh là là. Bah, tu filmes? Oui. Ok. Oui, oui, je filme. Hop. Oui, voilà. Et je crois que mon zoom a été déclenché. Voilà, merde. Je me fais avoir par la chaussette qui embarque la molette de zoom. Ouais. Alors, faut que je me méfie parce que dans ma précédente promenade avec le matos en famille, ouais, je me suis laissé surprendre comme quoi il vaut mieux garder un contrôle visuel tout en filmant. Oui. Parce qu'à un moment, je me disais, je vais laisser en veille, je vais éteindre la dalle graphique du téléphone qui filme pour économiser la batterie. Ouais. Et c'est loin d'être toujours une bonne idée, parce que à un moment, j'ai pas compris pourquoi, mais la focale du réglage de netteté du zoom avait merdé et je filmais flou. Ah. J'ai pas compris pourquoi. J'ai dû arrêter mon enregistrement, réinitialiser quelques paramètres dans l'interface avant de relancer. Ah. J'aurais pas vu ça, j'aurais eu quasiment une heure de vidéo complètement floue, inexploitable. Ah. Le truc chiant. Ah oui. J'ai quand même tout intérêt à garder un visuel. Une heure de vidéo exploitable et derrière 8 heures de Photoshop pour déflouter. Oh non, puis même, non, franchement, ça aurait été impossible, mais. Ça aurait fait une aquarelle au début. Ouais, bien saoulante et je sais pas ce que j'en aurais fait, mais ça aurait été gâché. Là, je pense qu'on arrive sur l'enchemin ensoleillé. J'avais remarqué que, alors la perche elle tient vachement longtemps, c'est le téléphone qui flanche en premier, c'est normal, il filme et il me donne le rendu visuel en direct sur la dalle graphique. Là on va à droite. Ok, je te suis. Attends, je vais faire un truc. Là, est-ce qu'on vient de là? Ah non, c'est bien par là, c'est bon. D'accord. Que ah, je m'en remets à toi parce que oui, c'est bien. On voit une flèche là-bas, un poteau avec une flèche balisée, c'est rassurant. Qu'est-ce que je disais? Que j'ai remarqué que le téléphone il peut donc fonctionner comme ça à plein gaz, plein tube avec le Bluetooth activé, puisqu'il y a un lien entre la perche et le téléphone pour que j'ai tout dans le mouvement de poignet, si je puis dire. C'est tout l'intérêt de la perche. 4 heures. Oui. 4 heures, je la recharge à 100%, il tient 4 heures. Et j'ai vu qu'il me faisait une alerte rouge quand j'étais sous la barre des 1/5 de batterie. Il dit attention, il ne reste que moins de 20% de batterie. Oui. Et ça risque de couper à n'importe quel moment, à partir de ce moment-là. Mais il s'est passé 4 heures d'enregistrement, donc c'est cool. Voilà. Et ce qu'il faut savoir que les batteries, parce que tout le monde est au courant, les batteries lithium, il ne faut pas qu'elles dépassent dans la charge. Plus elle est haute en charge, plus elle s'abîme, et plus elle est basse en charge, pareil, elle s'abîme. Ouais. C'est pas évident de jongler les batteries. Non, ils n'ont pas fait de programme qui disent, bah tiens, maintenant j'arrête de charger ou j'arrête de me décharger. Ouais. Parce que la batterie, entre une batterie qui est déchargée complètement et une batterie qui est régulièrement, qui est rechargée entre 20 et 80%, t'as vraiment 50 différences de vie, quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui commettent l'erreur. C'est de laisser leur téléphone en charge la nuit quand ils dorment. Bah oui. Alors c'est vrai que on pense au niveau de l'exploitation du temps, c'est malin, mais au niveau de la batterie, ça l'est pas du tout. Ouais. Et pire encore, vous pouvez avoir des incidents graves, comme une batterie qui se met à s'enflammer. Quand elle commence à gonfler, à devenir difforme, c'est que dans la chimie, il y a une mauvaise réaction. Oui. Et là, elle se détériore de manière irrémédiable. Ouais. Elle va perdre toute sa qualité d'endurance et voilà, ses qualités électroniques, on va dire. Mais en plus, elle peut devenir instable et flamber. Ouais. Et pas cool. Il y a des histoires d'explosion. Dans des cas extrêmes, Le chemin était très récemment, ça se voit. Ah bon? T'es déjà venu et le chemin était pas comme ça? Ouais, il était pas aussi bien. D'accord. Je vais commencer. On va changer, intervertir nos places puisqu'ils sont sur la droite. Merci. Et il faut que je filme le côté où il n'y a pas d'humain.
Voilà, je vais commencer à filmer côté bois. Voilà. Bon, ça va, ils sont posés, donc on aura vite fait de les doubler. Je pourrais revenir en position centrale. Ah là 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 là. Ah non, c'est bien. Alors c'est là, il faudra qu'on soit malin. C'est le restant de la journée. On fait les grandes allées comme ça. Il va falloir qu'on marche le côté ombre des arbres pour qu'on s'économise. Voilà, il y a, c'est dingue, il y a du monde en fait pour vous dire. Oui, il y a, en forêt douée, il y en aura moins. Ouais. Là, on est dans la dire la forêt douée, à ouais. Côté de la sapinière. Ouais, bah, bien balisé. Donc la sapinière, c'est un endroit avec en face, il y a plein de sapeurs. C'est ça en fait. Ouais, ouais, ouais. Attends, je vais serrer du côté là. Ouais. Et en fait, il y a des sportifs en fait qui courent sur toutes les allées, il y a des groupes de randonnée. Je pense qu'ils font du parcours d'orientation. Ouais, ouais. Alors justement, là, on voit plusieurs athlètes de notre côté qui courent avec grandes enjambées. Ouais. Et je crois voir qu'ils ont le maillot du club de foot local qui est la SNL. Ah, j'ai pas vu ça. Si, je reconnais le chardon lorrain de l'emblème de l'équipe de football. Et je pense que c'est les jeunes pousses. Les futurs champions qui sont formés, parce qu'on est à peine un kilomètre du vol d'oiseau, du centre de formation du club de foot. Sauf que c'est terrible. Je vous dis ça à un moment où le club local de Nancy a chuté à un point, je crois qu'il est tombé en 5e division. Alors, je connais mal le football, hein. Mais en fait, il est sorti des divisions professionnelles. Ce qui fait que là, il y a eu une grande débâcle dans le club, il y a un nouveau président, et ils n'ont plus de salaire. On a terminé, 1600. Alors, oui, il y a tellement de monde que je vais devoir couper. Ouais. Là, ça va pas.